Allez, c'est parti. On va chercher le multiplat pour que j'ai des télés, ça y est, c'est officiel. Ah, c'est bon. Vous quittez une zone de contrôle. On est en train de traverser la France entière pour aller chercher notre mascotte du QGDT. On est impatient de monter à 3 à l'avant parce que c'est vraiment un rêve depuis tant d'années qu'on a. Et voilà, on va enfin le réaliser grâce à la cagnotte officielle qu'on a fait sur la page, grâce à vous, chers amis. Moule, multiplat. Tu crois qu'on laisse le capot sur le Fiat multiplat? Bah non, mec, c'est toi qui m'as niqué ton projet. Ah ouais, je suis con, c'est vrai, t'as raison, gros. Torito qui est assis à l'arrière de la voiture, il a patience à s'installer avec nous à l'avant du multiplat, pardon. Dom, tu m'entends? Ouais. Ça va la route derrière? Ouais, c'est bon, connard. Voilà, je te disais, regarde, ça, cette vidéo est plein de multiplats. Là, ça, c'est des amis à moi, regarde, c'est un club. Ils sont tous fans de la forme de ce véhicule, tu vois. Et j'aimerais bien rentrer dans le groupe une fois que j'ai ma bagnole, parce que je pense que j'ai ma place, tu vois. Ah, ça laisse rêver, regarde le mec, il habite par buffle. Ils sont tous alignés comme à Carrefour. C'est génial. Ah là, ça laisse rêver, ça laisse rêver. Les amis, on a déjà fait 5750 km. Ah non, 5797 km à travers la France. On commence à un peu saturer. Ouais, il va avoir aller 200 000. Ouais, par là, ouais, par là. Ça tombe bien, hein? Ouais. Calme-toi. C'est bon? Nickel. C'est génial. C'est parce que le clic, c'est pas trop. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, t'es con. Moi, je suis monté comme ça. Qui est con, celui-là? Ouais, il vaut mieux mettre la roue de vie. Ça y est. On a les multiplats de Seymour. Alors voilà, je me trouve actuellement au volant de mon Fiat multiplat. Il y a actuellement 3 places à l'avant. La sensation de vitesse est incroyable. Je suis à 100 km/h, j'ai l'impression d'être à 100 km/h. Ah, c'est vraiment dingue. En plus, il y a 3 places à l'avant. C'est vraiment une belle acquisition. Alors, on va devoir s'arrêter parce que j'entends un bruit de disque à l'avant-droit. Et ça m'inquiète un peu. Il y a une aire d'autoroute là, on va s'arrêter. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter notre Fiat multiplat. On en est ravis. Couleur rouge Ferrari Sport, avec des jantes alu en 15 pouces. Ah, par contre, mesdames et messieurs, on a eu un petit problème, mais vraiment un petit problème sur la route. Et je vous assure que c'est pas des bêtises, c'est l'histoire véridique. Vous êtes prêts ou pas? Parce que j'entendais un petit bruit de 10 sur la route, je me suis dit, il y a un problème, toi, je m'arrête, je regarde, je mets mon téléphone comme ça pour éclairer, et qu'est-ce que je m'aperçois? Mesdames et messieurs, je vous présente le premier multiplat avec les plaquettes à l'envers, d'origine. Alors, je comprends pourquoi le disque faisait un peu de bruit, fallait que ça tombe sur nous, donc du coup... Passe au démontage, c'est parti. Alors voilà, on attend de régler le problème mécanique. Fais un peu le tour de la voiture, quoi. Bah, c'est un multiplat, hein, standard. Là, on voit la peinture à la Montana. Très joli. Là, il y a une vitre, là, il y a une vitre. Là, il y a encore une vitre. Encore une vitre, encore une vitre, encore une vitre. Projecteur, 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 projecteur. Attends. Petite poignée discrète pour ouvrir la porte. Voilà, après, dedans, c'est le grand luxe, hein, donc on voit la sellerie qui est encore nickel. 3 places à l'avant, voilà, donc il manque encore les 2 volants. Bien sûr, bientôt, il y aura les 2 volants en plus, comme ça, chacun aura son volant. Voilà, compteur jusqu'à 200. Il prend bien plus. Le pommeau avec 5 vitesses plus la marche arrière, donc c'est une boîte 6. Très distingué, voilà, ça se démonte facilement. Là, vous avez un deuxième pommeau de substitution. Alors, par contre, on s'aperçoit que le covering s'en va. Voilà, regarde-moi ce boulot. Un covering qui tient pas comme ça. Regarde toi mec, regarde le covering. Pas du boulot ça. Tout le covering qui se barre, regarde. T'as vu un covering comme ça, je sais pas que c'est café de boulot, mais c'est vraiment n'importe quoi. Tu mets pas un covering comme ça. Attends, c'est n'importe quoi. Ça fait quoi? Ça sert à quoi, votre avis? À rien. Ah merde, la trappe essence. Ah c'est bon. Alors là, tu vois le problème? C'est qu'on est en train de pomper, mais il est à fond. Mais ça touche toujours quoi. Donc bon, c'est un dilemme quelque part, je sais pas trop comment faire. Ah c'est bon. Attendez. On s'est pris sur le carter direct ensemble à Pomme, monsieur le QGDT. Ça me bat les couilles. Bah les couilles. Ah c'est bon, on commence à fuir. Ah voilà, ouais. On est en train de perdre l'huile, c'est bon. Ça touche plus. On peut constater un léger bruit de disque. Je crois qu'il y a un léger frottement. Tu m'étonnes à 130. Ça bouge un peu. Salut. Normal, c'est à l'heure d'autoroute, qu'est-ce qu'il y a? C'est une distrait à faire. Je wish. Alors j'étais à Lidl. Ça marche pas trop bien. Nickel.
toujours pas bon. Mais ça va aller. Normalement, tu joues 3 fois, 4 fois. Et après, c'est toujours pas bon. C'est normal, c'est costaud de faire. On a les écrous qui sont vachement résistants sur ces modèles-là. Ah, c'est le multiplat, hein. Qu'est-ce que ça dit ? C'est des rajouts de. Rajouts de multiplat. Parce que mon pote, il a ça, mais c'est une perceuse qui marche aux 5 volts. Donc, en gros, même une vis, tu fais rien avec ça. Hein. C'est juste. Voilà. C'est juste pour le bruit, à la limite. Voilà, du coup, tu fais ça. Ah, là, ça marche. J'ai l'impression que quand j'appuie, hop, en même temps que toi, ça marche mieux. Voilà. Vas-y, je te file un coup de main. C'est correct, donc, t'as serré. On est sur l'air, autoroute. Voilà. Ça va, il bouge pas trop. J'en peux plus, je te jure. Non, je te jure, Samy. J'ai un fan de l'avoir, je commence déjà à avoir des problèmes, tu vois. Surtout, il y a un monsieur qui dort là, il est en train de se demander ce qu'on fout. C'est peut-être plus pratique de poser la roue pour desserrer les vis. Je sais pas si c'est un pif, hein. Attention. Ouh, oui, la puissance. L'état 5 volts. Attention à ne pas faire trop bouger. Ce fameux rajout qui est vachement très bien fixé dedans, on le voit, hein, ça bouge pas. On enlève la roue de notre plat. Ah voilà, voilà. Nickel. Nickel. Alors on peut voir les plaquettes montées à l'envers d'origine. On peut dire c'est la boîte à l'envers. C'est vraiment d'origine, hein, c'est vraiment fait par Fiat. Donc on a cette plaquette qui est à l'envers. Et notre plaquette, par contre, ils ont pensé à la mettre à l'endroit. Ils ont dit bon, on fait qu'un côté. On va pas trop emmerder les mecs qui s'arrêtent sur l'autoroute le soir. À minuit. Mais bon, ça vaut le coup, c'est pour vous les amis. Le pneu n'est pas du tout craquelé. On sent que le pneu est énergie. Énergie, bien sûr. C'est la marque. Ah ben finalement, c'est Michelin la marque. C'est un pneu à deux marques. Ça, c'est un cric acheté à Lidl, évidemment. Quoi ? Avec une vis ? C'est vrai ? Il y a qu'une vis ? Oh là là, mais il y a tout qui bouge, quoi. Oh, regarde, même le disque, il bouge. Ça craint. Putain, il tourne. Fait chier. Qu'est-ce qu'il fait ? T'essaies de rentrer. Il est malade, ce mec. Ah bien, pas mon étrier. Nickel. Voilà, remets-la à l'endroit. Ou la remets pas carrément, si tu veux, je sais pas. Remets-la. Mais comme ça, il se pas. Attends, on doit voir la trace. Ça va, c'est pas trop bouffé sur le disque. Nickel, ça a pas trop laissé de trace, quoi. Ah, c'est un travail propre. Bah, du coup, elle est neuve, on peut la remettre à l'endroit. Ça fait des économies quelque part. Il y en a qu'une vis aussi. Et puis, du coup, ça brille, parce que ce côté-là a été patiné. C'est pas mal. Hop, on remonte l'étrier. J'espère que ça va freiner mieux, tu rigoles. Encore 2 heures de route à faire et 1800 km. Une seule vis. Une seule vis, pas. Ah, tu devrais te taper un peu pour le faire rentrer. Voilà, des pare-chocs, putain, le pare-choc. Le pare-choc, c'est forcément le pare-choc. Il est tapé. Ah, vous voyez qu'il serre à la main parce qu'il a une clé dynamométrique qui est incrustée dans le poignet. Vous voyez que ça craque. Voilà, c'est bon. Serrage de couple. Voilà. On voit que là, il n'y a plus d'espace entre la vis. Ah, voilà. Nicolas. Il n'y a plus qu'à mettre la roue et on y retourne. Pas comme ça. Voilà, comme ça. Tu peux la mettre comme ça si tu veux. Ça fait moins travailler le disque. Voilà, c'est bon. Et voilà, mesdames et messieurs, problème résolu. Là, on est reparti. Et j'atteins déjà ma vitesse maximale pour l'instant. Je suis monté à 120 km/h. 120 km/h, mesdames et messieurs, en Fiat Multipla. Avec une vis sur les tripes, enfin seulement. Magnifique rétroviseur, deux camions. Tout compte fait, je me demande si c'était pas plutôt les plaquettes qui étaient montées à l'endroit et les disques qui étaient pas montés à l'envers, tu vois. Parce qu'à Fiat, ils n'ont pas fait d'origine par hasard les plaquettes à l'envers. Mesdames et messieurs, je vais procéder au premier dépassement avec mon Fiat Multipla. Ah, ça freine. Oh, il y a un léger bruit. Je sais pas si vous entendez le bruit de freinage. Ça vibre un petit peu. Ça doit être la vis manquante sur l'étrier, encore une fois. Ah, ce qui est vachement bien sur les Fiat Multipla, c'est-à-dire que là, je suis à 120. Et vous pouvez voir en bas, 120. Ça s'affiche aussi en numérique, messieurs dames. Oui. Donc là, j'arrive à rester à 120 pile poil, je me gave. Oh! Vous entendez le freinage? Je pense que je vais pas tarder à perdre l'étrier. On retente un freinage. Voilà. Toi, tu lui fais confiance au multipla, tu vois? L'étrier, il part de travers, tu vois? Tu perds le demi-train avant droit d'un coup! À 110 dans le virage! C'est que le rétro se rabat tout seul avec le vent. Voilà, ça fait 4 fois que je le remets en place, tu vois? J'appuie sur ce putain de bouton. Tu sors la main, comme ça, tu te les gèles! Je mets le rétro en place! Tu enfermes la vitre et en 30 secondes, c'est pareil. Tu vas servir au même, quoi, tu vois. Une petite parenthèse pour faire un petit coucou à la page Villebrequin, qu'on apprécie beaucoup. On les suit, on a vu leur multiplat, leur préparation avec les pièces Wish, la reprogrammation. On est fans aussi. Voilà, petit coucou à eux, petite dédicace. Mais quelle accélération! C'est dingue, je suis satellisé. 150.
259. 200. 200, mesdames et messieurs. Non, je plaisante, c'est l'heure. Je suis à 120, prends ça. 225. Écoutez, mesdames et messieurs, j'en profite que j'ai une petite trêve là, j'ai au moins une heure de route encore, pour vous parler un peu des sensations que j'ai à bord de ce véhicule. Je vais vous parler en toute honnêteté et en toute franchise. Depuis que j'ai acquis ce véhicule, ça va faire à peu près maintenant 2 heures, j'ai déjà pleuré 3 fois de rire, je vous jure. C'est véridique, du fond du cœur, pleurer à ne plus pouvoir parler. Voilà, de rire. Ce véhicule procure des sensations de plaisir et de rire, mais incroyable. Je vous jure, il faut en avoir un pour le tester, du fond du cœur. Peu importe où vous jetez votre œil, que ça soit sur les rétroviseurs, les garnitures de porte, les plastiques, un peu tout, la forme de la voiture, même l'odeur de la voiture. Tout est drôle, mesdames et messieurs, tout est drôle. Je vous jure, c'est un véhicule déjà plein d'anecdotes en lui-même, je vous jure. Il faut le vivre, c'est une expérience unique. Voilà, ça fait déjà 2 heures que je l'ai, et en toute honnêteté, avec cette page QGDT, on a pu dire beaucoup de mal sur le QGDT. Attendez, je me coupe! Je me coupe parce que je suis en train d'être poursuivi par la police, qui a vu mes rajouts. Est-ce que c'est moi qui vont arrêter? Et c'est pas moi! Donc j'ai en train de dire, avec toute l'ancienneté que cette page peut avoir, et tout un peu les critiques qu'on a pu avoir sur ce modèle, je vous le dis du fond du cœur, j'aime déjà ce véhicule. Voilà, et c'est que le début.